c'est donc mon boulot déjà, parce que ça prend beaucoup de temps sur ma vie, on va dire. Je suis adjoint administratif dans une mairie, dans la région lyonnaise, la mairie de Bonvelin. Et je suis délégué syndical aussi. Et aujourd'hui, déjà au niveau du boulot, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué de faire correctement son travail. Et les relations sociales dans la mairie sont extrêmement tendues parce que, de ce fait, dans tous les services, ça touche vraiment tous les employés de la mairie. Il y a une grosse souffrance au travail qui se développe. Et donc, en tant que délégué syndical, on a, en plus de devoir faire son travail pour lequel on est payé, on a aussi ce double travail qui est de représenter les copains qui sont en souffrance, les collègues qui nous appellent à l'aide. Et donc, c'est à la fois très riche et en même temps, il faut pouvoir encaisser tout ça. J'étais au congrès de la CGT en avril. Et quand on voit un peu toutes les expériences, quand on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de victoires. Et déjà, là où je travaille, on a réussi à empêcher beaucoup de régressions. On doit encore gagner des choses, mais c'est vrai qu'on est dans une situation où on est plus dans la résistance que dans la conquête. Donc ça permet aussi de relativiser. Et puis dans la ville juste à côté de là où je travaille, à Villeurbanne, il y a des camarades de la CGT, ont fait 2 mois de grève sur les cantines, ils ont réussi à gagner des choses vachement importantes. Donc ça, c'est des choses aussi qui nous permettent de croire un peu en l'avenir. C'est vrai que ma vie, c'est un peu ça quoi, en ce moment. Hein. C'est beaucoup de militantisme, beaucoup de militantisme syndical, beaucoup de militantisme politique. Et ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut la peine. Moi, j'espère que ce 37e congrès, il va permettre de donner vraiment une perspective politique à tout ce qui se passe en ce moment socialement, à tous les gens, tous les travailleurs, tous les chômeurs qui se battent aujourd'hui. Il y en a qui se battent individuellement, il y en a qui se battent collectivement de différentes façons. Il y a beaucoup de combats qui se mènent en ce moment et il faut qu'on donne une vraie perspective politique et qu'on donne la possibilité à tous ces gens de s'unir vraiment. Parce que sans cette union-là, ça sera compliqué d'arriver à quelque chose. Il faut combattre la désespérance, il faut redonner de l'espoir.